Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 45. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'On en parle, c'est le 49 ou 50, je ne sais pas. Vous verrez au titre de l'épisode. Dans l'épisode d'On en parle, aujourd'hui nous allons parler du livre Frigel et Fluffy pour fêter entre guillemets la sortie du tome 2. Nous allons parler du tome 1 que j'ai fini il y a très longtemps mais que j'ai jamais fait d'épisode dessus, je ne sais vraiment pas pourquoi, je suis con. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le résumé. Bon, le résumé est ici. J'ai pas très très envie de vous parler. Du coup, je vous laisse faire pause et lire ce qu'il y a en ce moment même sur l'écran. Bien sûr, le bouquin a été écrit par Frigiel, par Nicolas Dicker et par les dessins ont été faits par Thomas Frick. Une map du livre étant même intégré au bouquin numéro 1. Les côtés positifs, pardon, de ce livre, c'est que bah je l'adore. Frigiel et Fluffy étant une de mes séries Minecraft préférées, ça fait vraiment chaud au cœur. Et le livre est vraiment plein d'action, les personnages sont attachants et on a envie de découvrir la suite. Vivement le tome 2 que j'aurai bientôt. Désolé si vous entendez un bruit, c'est juste le PC. Ces positions relevées, les côtés négatifs. Bon, à part que le livre est un peu long à lire, bon, vraiment rien du tout à dire de négatif. La note sur 10 en livre, je mettrais un 9, car le livre était vraiment pas mal. Peut-être que j'aurais pu mettre un 10, mais 9, c'est vraiment pas mal pour Frigiel et Fluffy, le retour de l'Ender Dragon. J'espère que cet épisode dont on en parle vous aura quand même plu. Cet épisode sortira un jour après la sortie du tome 2, c'est-à-dire le 24. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5. Enjoy!